Dans le cadre des compétitions des Ligues des Champions et Coupe de la Confédération africaine de football de la CAF, plusieurs clubs de la sous-région ont choisi la capitale malienne pour y effectuer leur rencontre. Le premier à recevoir au stade du 26 mars est le Milieu FC de Cancan de la Guinée. C'était face aux Mauritaniens du Nouadhibou FC. Une rencontre sous une fine pluie qui s'est soldée par les scores de 0 buts partout. Le Milieu FC a apprécié les choix du Mali. Le Mali et la Guinée déjà partagent beaucoup de choses ensemble. Et comme l'a dit l'ancien, un des présidents du Mali, la Guinée et le Mali forment le même poumon dans un même corps. Et aujourd'hui, nous tissons de très très bons rapports entre les deux gouvernements, et sans compter les deux fédérations aussi qui tissent de très 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 bons rapports. Mais ce qui a surtout prédominé, c'est la proximité qu'il y a aujourd'hui entre la Guinée et le Mali. Et surtout, et si on voit ce qu'a produit le club Milo, on est vraiment satisfait et nous sommes rassurés qu'au match retour, nous sortirons gagnants, Inch'Allah. Les occasions créées de part et d'autre n'ont pas permis aux deux équipes de scorer. Au stade du 26 mars, le Milo FC avait beaucoup de supporters. Nous n'avons pas senti cette délocalisation, c'est vrai, parce que regardez à la tribune, il y avait plus de supporters de Milo que même ceux qui ont payé les billets. Donc nous nous sommes sentis chez nous. Depuis notre arrivée à Bamako ici, les autorités maliennes, les sportives maliennes nous ont entourés de tous les soins. On était vraiment dans toutes les conditions pour ne pas perdre ce match. Mais vous savez, ce sont des jeunes. Certains jouent pour la première fois à la Ligue des Champions. Ils étaient tellement crispés, ils ont voulu tellement bien faire qu'ils se sont mis la pression. On s'est créé énormément d'occasions, mais le finish nous a manqué. Outre le Milieu FC de Cancan, le Afia de Conakry, l'AS Douane et l'Étoile Filante de Ouagadougou, tous du Burkina Faso, effectuent leur confrontation sur cette pelouse du stade du 26 mars de Bamako.